L'enfant et le muot sont sains et saufs et ont retrouvé leur tribu. Alors ça m'embête parce que ça m'a jeté du donjon. Alors j'avais encore des choses à y faire. Évidemment, tout a respawn maintenant. En revanche, on peut prendre un autre chemin cette fois. Un peu too much. Mais j'ai pas vu, c'est le dragon qu'on a tapé. Peu de temps avant, quoi. J'étais passé par là, mais je peux peut-être essayer celui de gauche. Tiens, ça mène au même endroit. Ok, pourquoi pas. On va essayer celui du centre, du coup. Ah mais j'ai tous les coffres, il me reste que le petit bonhomme à récupérer en fait. Très bien. Oh le guet-apens quoi. C'est sûr que par rapport au boss, il est un peu ridicule celui-là. Hein. Alors où est-ce qu'il était le bonhomme? Je ne sais plus. Si, je crois que c'est là. Ouais, je m'étais précipité, je suis tombé dans le trou. Parce que je pensais qu'il regardait là où il y avait un trou, mais en fait non. Il est dodo le coquin. Il regarde un autre trou. Adolu.
Crécétineux. Alors c'est quoi ça hein? Double parfois le nombre de pity obtenus lors d'un combat. C'est trop bien. Bon. De toute façon, on a tout débloqué logiquement. Je suis sur Grandia et se passe des dingueries toutes les 30 secondes. C'est trop bien Grandia. C'est l'aventure avec un grand A. Alors, on va donc basculer. J'ai ça aussi, le mystère du canal. Rendez-nous GG, ouais. Si j'avais eu GG, ce serait réglé. Hein. C'est quoi déjà le mystère du canal? Je sais rien, moi. Je vais faire un saut à Toba. Donc ici, il y a trois coffres. On va peut-être essayer de les trouver. Ça aime le poisson ici, apparemment. Elle est où la pêche? On veut de la pêche, nous. Rien du tout. Que c'est triste. On va prendre ce passage après. Sans doute. Rush à noir. Ah, il y avait un MS? J'ai pas fait gaffe. Je l'ai pas vu. J'ai tendance à tourner la tête quand je me déplace en plus. C'est là-dedans? Il est là. Merci. Je suis en train vraiment de me dire qu'il y en a un par zone. Hein. Et que tous ceux où j'en ai pas trouvé, c'est pas parce qu'il y en a pas, c'est que je les ai pas trouvés. Après, j'ai quand même l'impression qu'il y a plus que 50 zones, mais bon. Faut voir, hein. Salut, Dayvol. Oui, c'est normal, Dayvol. En fait, les boss, ils changent selon l'ordre dans lequel tu les tapes. Donc, si toi, c'était ton deuxième boss, il aura tel... telle mécanique, telle forme, etc. Il y a aussi le fait que ça dépend de tes choix dans l'histoire. En gros, les boss ont plusieurs variantes.
J'ai l'impression qu'il va y avoir des changements dans cette ville parce que je vois pas trop où pourraient être les autres coffres là. On pourrait aller à Atlanticus. Je sais pas si c'est ici. Ou plutôt par là. En tout cas, on pourrait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, j'ai fait à peu près le tour de la ville. Bonsoir Wedge, comment ça va? Moi aussi, je veux pêcher. Juste. Ouais, j'ai fait le tour, je crois. Tiens, il y a des bonhommes qui sont carrément dans la flotte, là. Ouais, la rejouabilité de ce titre est assez cool avec les différents choix, tout ça. Bon, j'avais dit que je sortais par là. Je verrai plus tard pour les coffres que j'ai éventuellement pas trouvé. Non, on a tout. D'accord. Armand zone de fight. Bon, après ça, ce sont des zones de passage. Généralement, il n'y a pas de boss. C'est pour aller d'un endroit A à un endroit B. Donc, logiquement, ça, c'est pour aller ici, je pense. En tout cas, moi, je veux pas le relancer, le jeu. Une fois terminé, c'est ciao. Hein. Est-ce qu'il me reste des trucs à apprendre sur lui sans doute? Et pour le moment, j'en vois pas. Pourquoi tu aimes pas ou trop exigeant? Non, c'est parce qu'il y a tellement d'autres jeux que je peux... C'est pas que je peux pas me permettre, mais c'est que j'ai pas spécialement envie de refaire des jeux plusieurs fois, surtout d'affilée. Je préfère voir d'autres jeux. C'est incroyable le truc. Combattant agile, ah j'ai oublié ça. Recharge de TD. Et conversion de dégâts. Voyons voir ce que c'était déjà. Donc ça c'est 30% de chance d'agir en premier, lors de n'importe quel tour. Okay. 5% du total de PV après une attaque de base réussie. Ok, donc ça si j'ai besoin de les recharger, je sais ce que je dois faire. Et remplit la jauge de fougue de 5% chaque fois que l'unité subit une attaque. Très bien. Oui, déjà, il y a Dragon Quest 3. Mais ça, c'est un détail parmi tant d'autres. Ah si, j'ai toujours le truc sur la lame sonique à apprendre. C'est d'ailleurs le seul que j'ai à apprendre. Bon. Lui, il y a celui de l'assaut tournoyant aussi. Oh, tiens, tiens. Les mettre ensemble. Re Marvel, comment ça va? Et lui, il y a poignard double et visé.
Ah ça y est, Nanator en a parlé, va commencer sa soluce. Mec, ça sert à rien de faire une soluce, on a 50 millions déjà. Il est où le passage? Il est là-bas. Non? Oui. Un fichier Excel, ouais. Ah mais franchement, les gens, ils l'ont rincé ce jeu dans sa version originale. Il n'a pas changé à ce niveau-là. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. T'as pas trouvé sur internet? Ouais, ok, t'as pas trouvé sur internet. Franchement, j'aurais tout lu, mais alors ça, je pensais pas le lire. Oh non, t'inquiète, c'est l'arc, mon calme intérieur, c'est bon là. Je suis plus dépité qu'énervé. Mais le pire, c'est que il les partage pas ces solutions. Qui vaut d'un Excel, franchement? C'est pas viable. On est en 2024. J'ai vu le meilleur chemin, mais pas plus. Mais non, mais... Arrête de dire des bêtises, sur internet, y a tout. Cherche avec tes yeux, pas avec tes mains, tu vas voir, tu vas trouver. Ah oui, moi j'adore les solus papier. Tu m'entends pas tourner les pages là? Je dirais plus, je t'entends lécher ton index pour tourner la page. Carrément, quoi. Donc c'est que l'index. Ça va être un bordel pour récupérer les objets ici. Mais on va quand même essayer, hein. Cela, on dirait des monstres plantes. De Jess et les concurrents de... Les concurrents, ouais. Les conquérants de la lumière. Oui, d'abord, c'est vrai, c'est Aya qui tourne les pages. Tranchage, c'est quand même vachement bien. Ne fous pas le générique dans la tête, il est trop bien le générique. Mais est-ce que la racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père?
Il n'y a jamais eu de fin d'ailleurs à cet animé. C'est regrettable. Il a un petit air de guts celui-là. Vraiment un petit, hein. Ouais, je suis obligé de remonter. Ouais. Attends, c'est considéré comme la zone de Toba en fait. C'est pour ça que je trouvais pas les coffres. Ils sont ici. J'ai vu une review qui parlait d'une fin potentielle sur Jess, mais il n'y en a pas. C'est la crise. Je sais plus où j'en suis. Je perds la boule. Je peux monter ici. Mais est-ce qu'il y a un intérêt? Tu ressembles à un poulet cru. Arrête de te lécher là. Ça me rend fou. Je veux pas jeter la pierre à certains, mais le charisme entre les persos est très variable. Ne lui jette pas la pierre, Pierre. Peut-être des bêtises, mais il me semble que Mattel ne vendait pas assez de jouets, du coup ils ont arrêté de financer le dessin animé. Ouais, ça m'étonnerait pas, hein. On peut essayer de finir celui-là, mais je crois qu'avec ça, ça suffira pas. Bah si.
Et knep de bûcheron. Ça toi, voleur. Bon, ça fait longtemps que j'ai rien débloqué là. Pas mal. Peut-être bien un boss finalement, vu qu'il y a une recharge. Hein, j'ai laissé un truc là-bas, on va essayer de le récupérer. Je sais pas trop comment par contre. Ah, c'est un enfer cette zone. Hein. Alors là, je peux pas. Après, les objets comme ça, je m'en fous un peu. Même si des fois, il y a des trucs rares. Ce qui est quand même assez important. Mais c'est plus. Les coffres. Tiens, il y en a un là. Justement. J'aurais dû m'en douter, il reste un ennemi. Bon, ça monte petit à petit. Marteau d'argent. C'est bizarre, il me semblait l'avoir fait déjà ce truc. Thank you.
Alors, où est-ce qu'il est cet objet que j'ai vu de loin? Vas-y, lui, je vais le défoncer. Ça c'est fait. J'arrive pas à voir où j'en ai laissé un. Pourtant d'en haut je le voyais bien. Mais alors là, je vois plus. Je pense que c'est là parce que j'y suis pas allé, je crois. Ben oui. Bon, c'était naze. Non, ça, je vais déjà récupérer un truc ici. Y a pas de sauvegarde, je sens que je vais me faire attaquer par un oiseau là. C'est sûr. Et le dernier coffre est là-bas, ok. Nid d'hirondelle de mer. Cet objet très rare a été découvert sur les falaises de Toba. C'est un ingrédient essentiel à la préparation de la potion souffle de sirène. Pas d'attaque? Non. Ça m'étonne. Et le coffre est là. Très bien. Non. Vu que j'ai tout buté dans la zone, on va compléter, hein. En plus, elle était relativement courte, celle-ci. Un oiseau héros. Ah non, ennemi volant. Ça marche pas dessus. Tout ce qui est terre. Enfin. Qui vient de la terre. Et ça, ça vole. Oh, c'est nul. Thank you.
Ah non, le coffre, je suis obligé de passer par là-bas. Je vais me faire avoir là. Ça, effectivement, ça marche bien. Cool, un de plus. J'y arrivais pas, fallait que je le cible. Ouais. C'est vraiment trop bien ce skill. Plus il y a de cibles et plus ça fait mal. Enfin, plus c'est intéressant plutôt. Bon bah j'ai fait le tour je crois. Du coup j'ai tous les coffres. C'était pour un sort et puis c'était déjà bien. Ah d'accord, sans transition en fait. Voilà pourquoi ça faisait partie de Toba. Ça c'est fait. Alors... Attends. Non. On peut faire ça. Le mystère du canal. Tiens, il y a quoi ici? Ça. どのような術が完成するか楽しみですね。新たな術、またお越しください。 OK. Ah super. Ah ouais, niveau thune, je suis bien remonté quand même. Du coup, je vais avoir de quoi le faire, ça je pense. Les jambières d'argent, je dois les avoir sur un bonhomme. Alors par contre, il faudra que j'en rachète. Si je le peux, évidemment. Apparemment oui. Ouais, easy peasy hein. On verra ça. Donc j'ai dit mystère du canal. Ouais, d'accord. Je viens de le construire et déjà détruit.
C'est qui le saboteur là que je sache qui je tue? J'ai entendu un énorme bruit la nuit dernière. Je me suis précipité dehors. C'est là que j'ai vu que le pont était détruit. La créature qui a fait ça devait être d'une taille colossale. T'es sûr c'est une créature? C'est pas un humain? Avant que le pont soit construit, j'ai aperçu une grande ombre dans le canal. C'est sûrement la créature qui a fait ça. T'as cassé mon pont là! J'ai vu une immense ombre en pleine nuit. Ça devait être Narval, la reine des océans qui réside dans le lac Viringa. Elle devait être furieuse que vous ayez construit ce pont sans sa permission. C'est quoi ça, c'est un héros, Viringa? Est-ce que ça m'a rechargé? Pas du tout, let's go. Je sais plus d'ailleurs si on a des informations concernant leur nom. J'en connais certains, mais pas tous. Là, il y a les deux versions de Dantarg. C'est marrant ça. Vaincu 1. Bon, de toute façon, on va quand même chercher des histoires à tout ça. Attends. Il m'a donné l'information, mais du coup, ça me sert pas à grand chose. Chronique. Parler du pont avec Ilaga. Okay. これから改良するつもりです。ん?皇帝陛下、聞きました。ぞレオンブリッジが壊されたそうですね。しかし橋が壊された原因がわからなくては再建するわけには参りません。原因の究明を急いでください。 Rendez-vous au lac Viringa. C'est quoi, c'est ici? J'en sais rien en fait. Je pense, hein, vu que c'est ça qui clignote. Bon, je peux voir s'il y a d'autres chemins pour
voir d'autres contrées. Plutôt là. Je m'attendais pas du tout à ça. Vu le nom, je m'attendais à une énorme ville en fait, et là c'est plus un petit village. Bon, on va voir, mais. Petit village paisible. D'accord, c'est bien ici. À la recherche de la sirène. Ah, ok. Et il y a un coffre à trouver, un seul. Ok. Je suis venu ici avec mon mari, mais il est toujours à la taverne en train de lorgner une certaine danseuse. Aujourd'hui, je crois que je vais finalement mettre le poing sur la table. D'accord. T'as raison, énerve-toi. D'avoir plusieurs zones de sortie. Il y a une danseuse incroyable qui vient à la taverne le soir. J'ai hâte de voir sa performance. Évidemment. On peut voir ce qu'il y a par là malgré tout. Tu veux un peu de backseat? Bah non. C'est un moment un peu galère ça? C'est pas grave, je vais galérer. Alors, il y a un autre passage là, et ça. On va déjà faire le tour du propriétaire. Ah, il est là. Oui, de toute façon, j'ai toujours des sauvegardes un peu partout, comme tu peux le voir. Mais généralement, je reviens pas sur mes choix. Même si ça se passe pas... Ça se passe pas bien, entre guillemets. Il n'y a pas vraiment de bien ou pas, mais... La seule fois où j'ai rechargé une sauvegarde, c'est parce que j'étais bloqué. Je pouvais pas me balader en fait où je voulais et je voulais pas perdre mes skills. Il
Il y a une danseuse incroyablement douée qui vient à la taverne tous les soirs. Mais il reste encore quelques heures avant la tombée de la nuit. Et si vous vous détendiez un peu en attendant? Alors, attends. C'est tout? Voilà un mois que cette danseuse vient tous les soirs sans faute. Elle a un talent fou. Si vous voulez la revoir, il faudra revenir demain. Je ferai ça alors. Dans ce cas, profitez-en pour vous reposer à l'auberge. J'aurai plaisir à vous servir. À demain. La nuit suivante. Ouais, je commence à comprendre. On est enfermé dans une... J'arrive même pas à le dire en français. Un loop, quoi. Une boucle, merci. Merci, Jean-Jean. Si tu y retournes une troisième fois, elle fait du pole dance? Bah, je vais y retourner, c'est sûr, hein. La mytho, je l'ai vu partir par là. Sors! Si seulement j'avais quelques années de moins. Tant que c'est pas les mêmes danses, j'ai envie de dire je continue, hein.
Ah putain. Mais encore une fois, c'est barré là-bas. Je l'ai vu. Sans doute parce que la journée, elle retrouve sa queue de poisson. On me la fait pas, moi, c'est clair. Œil de lynx, mec. Moins 4-4 aux yeux. Rendez-vous au lac. T'es où? Non, j'ai pas fini la quête, je veux qu'elle continue. Alors, du coup, y a pas d'autre chemin par ici? Si, peut-être. Je peux sortir par nulle part. Il n'y a pas d'autre sortie que celle-ci et à l'est. Donc, bon, l'idéal, ce serait d'aller par là-bas. J'ai pas de chemin vers le sud. Et Toba, ça m'a mené ici, je crois. Non, j'ai pris un bateau à Mobelm. Je vais devoir peut-être ici.